sénatoriale. 52 listes en lice. Pour les sénatoriales, la liste des candidats est connue officiellement. La Commission électorale nationale indépendante, ou CENI, vient de publier, dans ses locaux d'Alarbi, la liste officielle des candidatures retenues pour les prochaines sénatoriales du 29 décembre prochain. Touliad arrive en tête avec 13 listes, suivi des Fartan d'Antananarivo et de Fianarantsoa avec respectivement 9 listes. 8 listes vont se partager les 7 sièges de sénateurs de Tomasna. Les Fartan d'Antranan et de Mahadzang possèdent respectivement 7 et 6 listes. Sur le plan national, 4 listes sortent du lot, le HVM, le TIM, le MAPAR et l'AREMA. Ces 4 grands partis ont présenté des listes de candidats dans les 6 circonscriptions électorales. Et leurs listes sont dirigées par des noms assez connus dans la sphère politique malgache. Les partis politiques, leaders FANIL et MTS, ont présenté des listes dans 2 circonscriptions électorales, à savoir Fianarantsoa et Antranana, pour le premier, et Tomasna et Fianarantsoa pour le second. D'autres partis politiques, ayant présenté des candidats lors de la dernière présidentielle, vont aligner des candidats à cette sénatoriale. Le MMM à Antananarivo, l'Obama et le Monima à Toliara. La prolifération de listes de candidats indépendants a un peu surpris dans cette course à la Chambre haute, à l'instar de la région de Toliara.